It's not God's fault. Bien-aimé, c'est pas la faute de Dieu. You are not fully awake. Ce n'est pas toi. Peut-être toi, tu n'es pas encore complètement réveillé. You must be awake. Tu dois être éveillé. In order to enjoy life. Pour se réjouir de la vie. So we will pray that all the spell. Nous allons prier pour que toutes les malédictions be removed. Soient enlevées. We will ask God to remove any ungodly influence. Nous allons demander à Dieu d'enlever toute influence qui n'est pas de Dieu. That are surrounding us. Qui nous entoure. Some of us we want to pray. La plupart d'entre nous voudrions prier. But we are surrounding with a lot of ungodly influence. Mais nous sommes entourés, environnés par. You don't have the strength to fast. You don't have the strength. Tu n'as pas la force de jeûner, de prier. You don't have the strength to worship God. Il n'y a pas de force non plus d'adorer Dieu. You don't feel like go to church. Tu ne sens même plus l'envie d'aller à l'église. Not because you want. C'est pas parce que tu le veux. You are surrounding with those interferences. Mais tu es entouré par toutes ces interférences. Satan, I will pray for any. Demonic territorial. Nous allons prier contre tout démon territorial. Then we will also go against a stronghold. Nous allons également aller contre des forteresses. The stronghold are the forces that are stopping you to go forward. The obstacle. Les forteresses sont des forces qui te stoppent d'avancer. So we will go against all those strongholds. Nous allons aller contre ces forteresses. In your marriage. Dans ton mariage. In your professional life. Dans ta vie professionnelle. In your house. Dans ta maison. In your children's life. Dans la vie de tes enfants. You will take authority over those strongholds. Tu prendras autorité contre toutes ces forteresses. Amen, 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 amen. And then we will also go against any affliction. Nous irons également contre toute affliction. The enemy prepare a lot of affliction. Et l'ennemi prépare beaucoup d'afflictions. In our lives. Dans nos vies. For the year 2015. Pour l'année 2015. Some people will be disappointed. Certains seront déçus. Some people will go through painful experience. Il y a d'autres qui entreront par des expériences pénibles. Planned. Tout est planifié. We will pray against all generational curses. I mentioned that in the beginning. Nous allons prier contre les malédictions générationnelles, comme je l'ai dit au début. Anything that are link us with tradition. Tout ce qui nous lie encore aux traditions. False teaching. Des enseignements mauvais. Any des faux enseignements. Any doctrine that are causing us or any other person to be in trouble. Et toute doctrine qui cause à ce que nous soyons en trouble. And then we will break also all ungodly ties. Et également, nous allons briser tous les liens qui ne sont pas de Dieu. Very important. Très important. Some of us need to cut those ties. Certains d'entre nous doivent couper ces liens. You're doing so well in life. Tu fais bien dans la you vie. Will get to the place you want to. Tu veux arriver au point où tu veux but arriver. You will see yourself back to the same place. Mais tu te reverras retourner encore au point de départ. You are all that are holding me to not prosper. Tout ce qui me retient afin que je ne prospère pas. I wanna come out of it. Je veux sortir de cela. Not that you are envying other people, but you want to be you. Ce n'est pas par envie, mais tu veux être toi-même. And then we will pray for a call to sanctification. Ensuite, nous allons prier pour l'appel à la sanctification. When we repent, lorsque nous nous repentons, that means we confess our sin. C'est-à-dire nous confessons nos péchés. We go down, we remove all the spell. Nous descendons, nous enlever toute malédiction. And then we will call. To sanctification. Et ensuite, nous allons appeler maintenant la sanctification. Sanctification just means be set aside, set apart. Cela voudrait simplement dire être mis à part. And we will be praying for that. Et nous allons prier pour and cela. And then we will go down. We will pray for what we call to lamentation. Ensuite, nous allons aller à ce qu'on appelle appel aux lamentations. We will pray God. Nous allons prier Dieu. Lamenting is just crying for your right, begging for your right, seeking God for what you really longing to see. Se lamenter, c'est juste crier, pleurer pour ce qui est ce dont tu as droit. Joel chapter 2 verse 12 to 16. Joel chapitre 2 de 12 à 16. And Joel chapter 1 13 to 14. Those are our main scripture for the week. Et Joël, chapitre 1, de 13 à 14. Amen. Amen. So I encourage you to fast with your heart. So je vous encourage de jeûner avec votre cœur. Look at what he says. Regardez ce qu'il dit. For he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he is relented from sending calamity. I like this. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répond des maux qu'il envoie. We will pray. Nous allons prier. Pray for yourself. Priez pour vous-même. You want to see change in your life. Tu veux voir un changement dans ta vie. I'll give you some scriptures as we close. Je vais vous donner quelques écritures pendant que nous fermons. It is your scripture for confession. C'est vos écritures pour la confession. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Deux Chroniques,
7, 14. The scripture says, if my people who are called by my name will humble themselves. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, pray, et prie, and seek my face, et cherche ma face, and turn from their wicked ways, et se détourne de ses mauvaises voies, then I will hear from heaven, là j'entendrai du ciel, and I will forgive their sin. Je pardonnerai leurs péchés, I will heal their land, et je guérirai leur pays. In another word, it will heal also your body. Aussi, il guérira votre corps. If you are sick, God will heal. Si vous êtes malade, Dieu vous guérira. Another scripture quickly is 1 John 1, 9. Une autre écriture, 1 Jean 1, 9. If we confess our sin, si nous confessons nos péchés, God is right, Dieu est juste to forgive us, pour nous pardonner. And the following scripture is James chapter 5, verse 16. L'autre écriture, c'est Jacques 5, 16. Therefore, confess your sin to each other, si confessons les péchés les uns aux autres, and pray for each other, et prions les uns pour les autres, so you may, so that you may be healed, afin que vous soyez guéris. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Et la prière du juste a une grande efficacité. Lastly, Proverbs chapter 28, verse 13. Le dernier verset, Proverbe 20. Whoever conceals their sin, celui qui garde ses péchés, does not prosper, ne prospère point. But the one who confess, mais celui qui les avoue et les délaisse, then find mercy, obtient miséricorde. Let all stand as we pray together. Hallelujah. Proverbe 28, 13.